Salut tout le monde, ça c'est les Poches de Footcat. Je vous remercie d'avoir choisi ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore sur un même lieu, sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc aujourd'hui, je tiens à parler au niveau de connexion, mais franchement, au niveau de la connexion, je sais pas quoi dire. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes sur la connexion. Je sais pas si c'est parce que comment dire? C'est parce que le jeu n'est pas encore tout à fait fini, je sais pas, mais là la connexion, franchement les gars, vous êtes obligés d'éteindre votre ordinateur déjà, d'enlever carrément la connexion de votre ordinateur ou téléphone, etc., pour avoir uniquement la connexion sur votre PS3. Et c'est un peu gavant parce que une fois que le mec il a une meilleure connexion que soi-même dans la partie, et ça y est, la partie va c'est ça va être l'enfer. Parce que durant la partie, je fais une dizaine, quinzaine de parties. J'avais une connexion merdique, mais de chez merdique. Et là, j'ai essayé d'enlever la connexion sur l'ordinateur. Et là, j'ai réussi à faire à peu près score positif, on va dire. Là, sur cette partie, c'est le seul, j'ai galéré d'avoir une bonne partie, quoi. Ça, c'est un truc que je me demande si ça va continuer toute l'année comme ça, ou bien c'est juste temporaire. Mais là, je dis ça, c'est pas mon truc de critiquer le jeu en lui-même, mais c'est la connexion depuis toujours. Ça fait longtemps que je joue sur Call of, c'est pas le premier et ce sera pas le dernier. Mais au niveau de ma connexion, quand même, on est en 2014, bientôt 2015. Call of, c'est pas le premier Call of, mais on a toujours ce problème de connexion. Je sais pas comment ils font pour faire un jeu à peu près correct, mais la connexion merdique. Ça, je sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. La préférence de connexion, ça décourage les gens, quoi. Ça décourage les gens pour jouer à ce jeu. Franchement, on a entendu, tout le monde disait que les précédents Call of n'étaient pas bons parce que on avait une réelle problème de connexion. Et là, ça continue. Ça continue, mais jusqu'où ça va comme ça? Nous, les fans, enfin moi en particulier, je suis vraiment fan de ce jeu. J'ai jamais, on va dire, c'est rare que je quitte le jeu pour jouer à un autre jeu, quoi. C'est parce que je suis fidèle à ce jeu. Aujourd'hui, je rage parce que j'en ai marre. Tous les gens, j'attends le jeu avec une bonne connexion. Pourquoi les autres concurrents, ils arrivent à faire une bonne connexion et pas ce Call of qu'on attend tous les gens? Ouais, on a bon espoir cette année, on espère que la connexion, ça va s'améliorer et qu'il n'y aura pas de différence. Moi, le seul endroit que j'ai vu qu'il y a une bonne connexion, c'est tout le monde n'a pas aimé le jeu, mais c'est Call of Duty Ghost. On va dire, ouais, t'as joué, t'as réussi sur Call of Duty Ghost. Oui, c'est vrai. Franchement, il n'y a pas de différence, les gens, ils meurent. On voit qu'il y a le meilleur reste, on va pas dire que le meilleur reste meilleur. Il y avait une question d'égalité. Et ça, j'ai adoré. Là, on voit, le mec, il a une bonne connexion. Mais c'est lui qui va faire le meilleur score. Ça, c'est sûr. Le mec qui a mauvaise connexion. Ah, mais là, c'est une défaite écrasante et c'est pas le but du jeu, quoi. C'est vrai qu'ils ont fait l'effort pour faire des trucs, on va dire, presque parfaits. Parce que presque parfait, moi, je mets dedans la connexion. Et aujourd'hui, les gars, c'est ma première vidéo où je suis vraiment, vraiment en colère. C'est vrai qu'il faut pas juger la partie, le jeu, avant, juste quelques jours de test.
Mais là c'est je sais pas, j'espère que ça va changer. Donc voilà, j'ai fait un score, après une modification de connexion, j'ai réussi à faire un score positif et correct. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo, que vous allez vous abonner, cliquer sur j'aime et puis laissez vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!